km/h, donc c'est assez lent au niveau vitesse. Effectivement, donc l'accélérateur, le frein et le volant sont pilotés par les étudiants. On allait plus vite sur les pistes, on allait jusqu'à 15 km/h. Là, au niveau du virage, on ne va pas très vite parce que c'est le virage qui est assez serré. C'est pareil, c'est eux qui ont fait le système de clignotant, qui vient s'activer automatiquement. Donc, c'est eux qui ont fait la carte électronique et qui ont fait le pilotage également de ce système-là. D'accord. Là, quand on dit pilotage, c'est que ça a déjà été enregistré. C'est un rejet de trajectoire, mais ils font une version adaptative. Là, on va voir, normalement, ils vont détecter l'obstacle, s'arrêter, je ne suis pas sûr que le frein soit calibré, mais ils vont s'arrêter, ils vont en faire une onde d'évitement. Donc là, là, ils ont fait un freinage, donc je vais lancer un évitement, Dutch, je mets une vitesse, et c'est parti. Donc c'est eux qui font l'évitement automatiquement de l'obstacle. Directement, ils ont planifié un évitement, c'est quand même l'humain qui a accepté l'évitement. Du coup, j'arrête la onde d'évitement, c'est bon. Là, on repense à la trajectoire normale pour partir à la vitesse qui était prévue, 10 km/h.